Alors, l'ASI, c'est un joli nom qu'on a trouvé pour l'assistant de contenu intelligent, en faisant référence au chien l'ASI, qui est très intelligent. Cette solution, en fait, on l'a développée parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans la banque de détail, il est assez compliqué de trouver l'information au sein de notre base documentaire interne. Aujourd'hui, on a déjà des choses qui existent. Il y a notamment un moteur de recherche classique qui fonctionne par mots-clés. Donc, les collaborateurs peuvent déjà accéder à de l'information. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué et ça prend du temps, puisqu'ils vont avoir une grande liste de documents. Et c'est difficile de trouver dans cette liste le document qu'ils recherchent. Et ensuite, une fois le document trouvé, pouvoir identifier la bonne information au sein du document. L'ASI, en soi, il est assez simple pour le collaborateur, dans le sens où le collaborateur aura une interface avec une barre de recherche où il peut poser sa question. Et pour l'IA générative, on dit plutôt prompter. Donc ça veut dire que le collaborateur doit écrire une question en langage naturel, en essayant aussi de contextualiser le plus possible sa question, ce qui est assez différent par rapport à ce à quoi on est habitué jusqu'à présent. Et ce que l'ASI fait derrière, c'est qu'il va interroger la base de données documentaire interne et via l'IA générative et notamment via le Retrieval Augmented Generation, il arrive à identifier les endroits, les paragraphes des documents qui vont pouvoir répondre à la question de l'utilisateur. Et il va utiliser tous ces bouts de documents pour pouvoir générer une réponse synthétique et précise à la question du collaborateur. Et en plus de ça, il va aussi afficher les documents et les bouts de documents qu'il a utilisés pour générer la réponse. Oui, bien sûr. En tout cas, on est toujours drivé par le fait de garantir la confidentialité des données. Et effectivement, on a choisi aussi ce cas d'usage parce que dans la base documentaire de la banque de détail, on a plutôt de la donnée qui est peu sensible. Donc, c'était un bon premier cas d'usage, en tout cas, pour de l'IA générative. Mais effectivement, même s'il s'agit de données pas très sensibles, on est quand même toujours très attentif à la sécurité de cette donnée, à comment on l'utilise et aussi aux technologies qu'on utilise dans notre solution.